Alors la qualification tout de blanc vêtue, pirogue blanche, flamant bleu. Et la dérive pour vous, t-shirt blanc, gris, pirogue rouge, comme vous voyez. Donc pour éviter qu'il nous rejoigne, donc sachez que les barreurs ou capitaine des griffes vont partir ici de cette course en courant pour rejoindre leur pirogue qui est fixée là-bas au départ. Et donc on va faire un appel. Vidal. Vidal. Les luxes, les capons en chef, la mairie et les MC. On est sous les ordres en attendant du directeur du cours. Elle apparaît comme ça. Les gens de Rival sont attendus à leur pirogue, rapidement. Allez, attention, on va continuer le départ. Les filles, les caméramans, s'il vous plaît, on évacue la piste de course. On évacue la piste de course. S'il vous plaît. Mademoiselle, excusez-moi. Voilà les filles. Ah, voilà. Ah bien, merci, mesdames. Salut. Bien, bon, sûr, t'as l'air filles. Plus frais ce matin. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. À la lumière, c'est mieux tes créations quand même. Hein. Attends, voilà. Voir. Je fais un petit peu. Wow. Parce qu'hier, de nuit, beauf quoi. Ah, top, c'est parti. T'as vu, c'est beau ce qu'il fait cet homme. Hein. Donc il utilise les essences de Guyane. Il tourne tout ça. Ça donne des trucs magnifiques. Il a un beau miroir, alors si j'arrive à me cadrer, je suis où ? On ne voit pas. Voilà, Patrice, t'as bien dormi ? On a pris un certain avantage. Pas longtemps. On sera rouge, qui a priori, pas en premier, c'est même pas a priori, c'est sûr. À plus tard. Ça marche. Et ils sont ainsi partis pour 3 tours. Mais regarde, t'as vu que les pagaies là-bas, tu vois. C'est les montages, j'espère. Ben hein. Oui, bien sûr. C'est ton t-shirt que j'ai cadré, Laurent. C'est là que je fais un bisou. On filme en même temps. Ça va pas Alors, il y a une différence dans cette première manche, puisque la première manche de l'épreuve court sur les pirogues et bossies. Vous devez savoir que les pirogues et bossies sont réalisées 10 minutes 20 par rapport aux pirogues traditionnelles, puisqu'il y a
différence de poids énorme, en sachant que pour les boxeurs, il fait environ 300 kilos, une culotte traditionnelle, destinée entre nous ou pas d'oeil. Donc, pour votre connaissance de la course, il faut, pour que la Yannick remporte cette manche, qu'elle arrive. Bonjour. 4 minutes. Alors, ça, c'est une figure, hein, c'est une figure de la ville, cette petite dame qui a lancé sa boîte Impression de Guyane. Et qui nous fait des très jolies choses depuis quelque temps. Depuis combien de temps c'est 4 ans. C'est créé 4 ans. 4 ans. C'est bien, rival. Ben voilà, ça fait 4 ans que cette petite dame, elle nous fait des trucs sympas. Voilà. Bonne nuit, on peut les encourager quand ils passent devant vous, s'il vous plaît. Le mérite. Il nous arrive de Cayenne. Oh, je répète, La deuxième manche où les équipages vont préparer leur pirogue au départ. L'équipage de Maman Dilo de Sinamarie qui va préparer sa pirogue. Bravo ! Qui va préparer sa pirogue au lieu de la ramener. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris. L'équipage, comme j'expliquais hier, Alix Greff. Alix Greff étant un adjudant qui a participé à la 4e édition l'année dernière et qui malheureusement cette année lutte contre la maladie. C'est donc tout naturellement qu'ils ont décidé bien de rendre hommage à ce concurrent en dédiant leur épreuve en son nom. La pirogue a deux repropulsions. Ah bah les voilà, Europropulsion. La pirogue de Carrière. Je fais un plan sur son t-shirt. Et enfin, la pirogue. Bon, ben, bonne chance à vous, Europropulsion. Alors, c'est pour le plaisir. C'est pour la télé. Oula ! Souriez. La télé, bon, attendez, je laisse les lunettes. Ah ouais, c'est beau. Je suis pas la seule à faire des images. Salut. Dans les nuances de rouge. Hello. Moyuma. A comment tu fais? Bien. C'est le propriétaire du camp Marie-Port. Alors d'habitude, il n'est pas aussi rouge. Pas loin quand même. Pas loin. Là, il fait chaud, c'est pour ça. Il fait très chaud. Ça va? En forme? En pleine forme. Ça rend super bien. On a hâte. Merci. On a hâte d'être sur l'eau comme ça. Ça te fait une bouche. Ça te fait une bouche immense. Quoi, c'est génial. Ça donne pas envie de chercher la merde. Ouais, on a pas envie de chercher la merde, non, ça c'est clair. Tu bois du whisky? Ouais, carrément. Eh oui. On est vraiment. Bon, j'arrête là, les gars.